Monsieur Chaperon, lors de la commission de discipline, a confirmé la version qu'il a donnée depuis le début, à savoir qu'il avait eu un mauvais réflexe, qu'il le regrettait, qu'il avait présenté immédiatement ses excuses aux joueurs. Les débats se sont déroulés de manière sereine et respectueuse, qui contraste malheureusement avec l'emballement, voire le lynchage médiatique qui avait suivi le match en cause. Donc nous laissons la commission délibérer et nous n'effectuerons pas d'autres commentaires.